fêtes des maîtresses. Les enfants vont, ont fait des compositions de fleurs et vont donner ça aux professeurs. C'est trop mignon. Toutes les années, c'est comme ça, dans toutes les écoles. Et regardez le professeur pose sa main sur la tête de l'enfant. En guise de ça va bien, donc je vous expliquerai bien sûr tout en détail quand vous serez avec moi. Vraiment, c'est en guise de respect, de il y a tout ce que vous voyez ici, il y a tout. Donc je me mets ici pour que vous voyez. Donc elle va, les enfants vont se prosterner une fois, pas trois fois. Trois fois, c'est pour Bouddha. Voilà, et là on va leur toucher la tête. Et il y a des regrets. Il y a aussi des mots aussi qui sont très gentils. Souvent, les professeurs disent aux élèves qui sont concernés devant eux, disent de bien travailler à l'école et de bien se comporter. Donc, tous ces petits loulous-là, je les ai vus naître, ceux-là, voilà. C'est les enfants de mon village. C'est trop mignon. Voilà, donc c'est tout petit évidemment. Alors bien sûr il y a des enfants qui ont fait des compositions, ils sont petites. Et évidemment, des fois, les compositions se cassent, alors ils sont un peu tristes des fois. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est le geste qui compte. C'est vraiment le geste et la gratitude envers leurs professeurs aussi. Ça, ce sont les plus grands qui ont pris les fleurs, voilà, ici. Et ils vont les mettre en exposition, évidemment. Donc, il y a eu aussi des compositions de fleurs, ceci. Et là, il y a un concours, évidemment. Oh,
regardez, ouais, c'est très très joli les compositions. C'est magnifique. Donc je ne vais pas tout vous expliquer parce que ce qu'elle dit et ce qu'ils font les enfants, ça ferait une grande vidéo, puis c'est merveilleux de voir ça. Toutes les années, c'est un régal pour moi. Mais hélas, toutes les années, il y a de moins en moins d'enfants dans les écoles, les petites écoles. Pourquoi? Parce que maintenant, dans les grandes villes, il y a beaucoup d'écoles qui se construisent et ils vident un peu les villages. Donc, je vois que année à année, eh bien, oui, les enfants, il y en a de moins en moins.